Bonsoir, mon nom c'est Madame Cocoon. Et là, ce soir, on va faire une émission de cuisine. Oui, on a la chance d'être avec un bel invité spécial. Vous en croirez pas vos yeux. On est avec le violon gay, mesdames et messieurs. Bonjour, Madame Cocoon. Allô, ça va bien? Ah oui, ça va. Oui. Ouais. Toi, t'es devenu connu à cause des vidéos de têtes de violonneux, c'est ça? C'est ça, ouais. Il va me jouer du violon gay, lui, avec. Ça me fait du violon gay, sinon je te mange le mulet. Ça consiste en quoi, là, tes vidéos, là, de têtes? Ben, moi, j'avais fait ça avec un sens humoristique, mais en même temps, avec l'idée peut-être d'espérer rencontrer une ou des personnes qui embarquerait peut-être dans le fantasme que j'ai en jouant le rôle du violonneux habillé en chemise unie, blanc crème et jean noir, le violonneux blond, puis moi je jouerais le rôle du violon gay qui se fait jouer sur le bout de la bisoune. C'est toi qui es le violon. Ouais, puis il me jouerait sur le bout de la bisoune. Un bon rigodon, là. Ça, c'est, mais ça fait pas mal, ça. Ça agace. Ça fait pas mal. Ça agace. Est-ce qu'on va cuisiner aujourd'hui? Ça va être du mulet de violonneux, c'est ça? Oui. Et là, on a un beau violonneux avec nous autres. Ici. Tada! Le violonneux Michel! Ah, il est tout échevelé! Il est pas appétissant pour moi. Technique, une brosse à l'air. Va brosser le mulet! Il est trop échevelé! Je tape le mulet parce que le mulet est trop échevelé! Il est beau. Donc là, on va assaisonner là, notre beau mulet de violonneux. On va mettre un peu de poivre, hein? Oui. Il y a trop de poivre. Je trouve que c'est pas si pire, là. Il est pas appétissant pas tout, là. Il y a trop de poivre, hein? Il est pas appétissant, mon mulet. Ah, on va y taper le mulet. Il a reçu du poivre dans les yeux. Mais tu vas me jouer du violon gay, hein, quand même. On a trop mis de poivre. Il y a trop de poivre, là. Ça marche pas, on va. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la tête à Daniel. La tête à Daniel, oui. Il est déjà prêt, notre violonneux Daniel. On va le sortir du four, oui. Allô? Le violonneux Daniel. Alors, c'est quoi le truc spécial pour attendrir les cheveux là, de violonneux? Avec le violon. Avec le violon. Il donne des coups de violon. Il va être plus appétissant comme ça, à la fois pour y manger les cheveux blonds, puis à la fois pour me jouer du violon gay dans un show western. Mais là, c'est plus gagné. Depuis Daniel, là, c'est rendu Ariane Moffat. On va se servir un peu de vin blanc. Et ça tombe bien parce qu'on a un beau blond et on a un bon vin blanc. Ça marche bien ensemble. On va faire un accord mulet-vin. Oui. On mange ça comme ça? Ouais. Ah. Tu le manges ou tu lui donnes des becs, là? Les deux. Tout appétissant. C'est bon. Il y a bon goût, Daniel. Il est très tendre. Il est meilleur que le mulet de Michel, du violonneux Michel. Qui avait trop de poivre dedans. Ouais. Alors maintenant qu'on a bien mangé, là, j'aurais une demande spéciale. J'aimerais ça que le violon gay me tape sur ma propre tête, oui. Ah, mais t'es pas blond. Il faudrait que tu sois habillé comme Daniel. Que je sois habillé comme un violonneux. Comme le violonneux Daniel, avec la chemise blanc cassé, les jeans noirs, puis les cheveux blonds. Ah! Joue-moi du violon! Ah ouais, joue-moi du violon! Fais-moi un rigodon! Ah ouais, joue-moi un rigodon! Ah ouais! Ah, tu joues pas assez bien, je te tape le mulet! Ah ouais! Aïe, violonneux! Ah. Joue-moi du violon! Je me sens pas bien, là! Tape le mulet! C'est Ronald qui colle la première danse. Ah ouais, le violon qui ça marche. Ah, qu'est-ce que... Ah, bon, ah ouais, hein. Bon, ben, t'es... Adieu, bye.
Ah, ok, ça va faire là, le violon. Ah, je te tape le mulet. Ça va faire le mulet. Fait des fausses notes. Là, là, c'est trop libre, là. Ce n'est qu'à nous revoir. À votre santé, à tous les hétéros, les bi, les gays, les gays, blonds, châtains, châtains bruns, joueurs de violon gay, de violon à coudier, madame. Le petit oiseau va sortir. Le petit oiseau va sortir. Il est déjà sorti.